Section de recherche, c'est terminé. En avril 2021, on apprenait que la série policière allait s'arrêter après pas moins de 14 saisons. Pour dire au revoir aux téléspectateurs qui suivent leurs aventures depuis des années, les acteurs se sont retrouvés en nombre dernier en région PACA pour le tournage d'un épisode final qui promet de nombreux rebondissements. Pour fêter la retraite de Martin Bernier, les anciens et les nouveaux se sont réunis dans la maison de famille de l'adjudant Cabral, nous révèle Xavier Deluc, dans une interview pleine de spoilers à retrouver dans le numéro en kiosque ce lundi 11 avril. Pour cet ultime épisode de Section de recherche, l'acteur sera entouré de Christelle Laboude, Jean-Pascal Lacoste, Linda Hardy et Virginie Caltari. Et c'est là qu'un ex-membre du groupe va être assassiné. Forcément, le commandant ne va pas appréhender l'enquête de la même façon, prévient l'interprète principal. Même s'il tente de rester solide, l'armure va se fêler, prévient Xavier Deluc dans nos colonnes. Durant le final de Section de recherche, il va donc mener sa dernière enquête. Et pas comme c'est un huis clos. Chacun est potentiellement suspect, raconte l'acteur, qui prévient que si elle respecte les codes de Section de recherche, auxquels le public est attaché, cette soirée va lui permettre de découvrir les personnages derrière l'uniforme, avec des petits clins d'œil qui devraient plaire aux fidèles. Attristé de dire adieu à son personnage, Xavier Deluc était ravi de retrouver ses partenaires pour tourner ce final. Et l'ambiance était au beau fixe. Tout le monde était très heureux et entièrement dédié au service du scénario, s'est-il souvenu à Téléstar. Xavier Deluc, son idée pour que le public ne se sente pas trahi. Nous étions aussi très satisfaits de pouvoir revenir afin de dire au revoir aux téléspectateurs. Lorsque la décision d'arrêter la série est tombée, j'avais évoqué avec la chaîne et la production l'idée de faire un final, de tirer notre révérence élégamment pour que le public ne se sente pas trahi, ajoute Xavier Deluc, ravi que son idée ait été acceptée. Forcément touché de clore ce chapitre de sa carrière, le comédien a ouvert une nouvelle page en intégrant une autre série populaire. Mon arrivée dans Demain nous appartient m'a permis de passer à autre chose sans renier Bernier car autant il était droit et implacable, autant, Sébastien Perrault, est barré et ambigu, ajoute-t-il. De quoi s'éloigner de Section de recherche en douceur. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télé Star en kiosque et en version numérique ce lundi 11 avril, Loading Widget.